Yo, yo, what's up? This is Sendog from Power Flow, hanging here with Roy, Christian, and Billy. What up? You are listening to Rockin' Mel. Yeah! 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 Salut les potes métalleux! Vous écoutez Rockin' Mel, version 4.0, présentée par Yvette Horny et Alex. Du métal, des nouveautés et des blagues nulles, toutes les semaines sur radiometal.com. Come on! Salut à tous et bienvenue ce soir pour une nouvelle édition de Rock'n Mel 4.0. Je vais beaucoup mieux que la semaine dernière, j'ai retrouvé ma voix et ma respiration, tout devrait donc bien se passer. Fin mars, on vous avait diffusé un morceau du groupe Lockhorns, c'était The Golden Mean, ça venait de leur futur album Red Room, et bien on vous annonce que l'album sortira demain, le 31 mai, et pour fêter ça, on va écouter deux nouveaux morceaux ce soir, The Origin of Evil et Expressions of Madness. We'll be right back.
Fight!
have twisted the innocence, you have murdered. All the souls you have twisted the innocence, you have murdered. All the souls you have twisted the innocence, you have murdered. All the souls you have twisted the innocence, you have murdered. All the souls you have twisted the innocence, you have murdered. All the souls you have twisted the innocence, you have murdered. All the souls you have twisted the innocence, you have murdered. All the souls you have twisted the innocence, you have murdered. Sera suivi bien évidemment d'un groupe que peu de personnes apprécient, mais je m'en fous parce que de toute façon je vouerai ma vie pour le Doom, je pense. Et donc vous l'aurez compris, c'est un morceau du groupe de Doom, The Hall. Ils vont sortir le 7 juin prochain leur album modestement appelé EP2. Et donc je vous propose ce soir d'écouter les deux titres Azazel et Golgotha. C'est une production Mood Doom Records.
voilà, vous avez survécu à deux morceaux de Doom, félicitations. Je vous propose de continuer ce soir avec deux morceaux du groupe Evergrey, Falling from the Sun et Say. Ça vient de leur futur album Theories of Emptiness, chez Napalm Records, et qui sortira également le 7 juin prochain. Yeah.
upon falling. Ce sera suivi de deux morceaux un peu irrespirables. Ça tombe bien, ça vient d'un album qui s'appelle Unbreathable. Ce sont deux morceaux du groupe Ad Patres versus Exodus chez Non Serviam Records. Et comme par hasard aussi également, ça sortira le 7 juin prochain.
va continuer avec un ovni un peu musical. Vous n'avez pas le visuel sous les yeux. Bon, après, une recherche Google suffira. Mais il s'agit de mammales. Et quand je vois leur dégaine, eh bien, j'ai l'impression de me retrouver au beau festival à Poitiers il y a quelques mois. Et je trouve ça trop cool. Ils ont une allure mais complètement barrée et fun. C'est assez délirant. Et leur musique, ben, je sais pas. Je dirais que c'est un mélange de plusieurs trucs. Je saurais pas décrire. C'est sympa. C'est écoutable. C'est très bien. Donc on va écouter deux morceaux ce soir de leur album The Penny Drop, qui est déjà sorti. C'est une production indépendante. On va donc écouter les morceaux Moscow et Maybe. Authority, justice, due process, honesty, integrity, right, donation, penalty, amends, appeal, authorization, rectitude, redress, code, compensation, correction, sanction, evenness, impartiality, corruption, dishonesty, falsehood, the law, injustice, unethicalness, unfairness, refusal. Round the world, around the world, around the world, around the world.
was destroyed by moonshine. I feel impressed by violence downsized. I feel a culture raging forward in my time. So blind. Center of your life. That special thing I destroyed is better now. Somehow that just feels beneath me. Naive justice flowing through me. I find new ways to traumatize you. Maybe. Salut les amis, et oui, Vivi a commencé l'émission, et moi, bah, pour la clôturer, j'aimerais vous parler d'un festival que j'apprécie énormément, La Voix du Rock. Ça sera leur 9e édition, ça sera à Valence-en-Poitou, ou Couëvérac, comme on veut, avec les regroupements des communes, et bien les noms changent. Donc c'est dans la Vienne, et c'est sur 2 jours, c'est le 31 mai, donc vendredi, et samedi 1er juin. Cette année, la première journée, donc le 31 mai, sera plus rock, ska, avec quelques touches de punk hein, quand même, faut pas non plus exagérer. Donc on retrouve des groupes des années 80, comme Gogol Premier. Je suis sûr que les vieux briscards se souviennent de la chanson Jean-Cul. Excusez-moi, mais
elle existe. Il y aura aussi Les Garçons Bouchers, et oui, avec le titre La Bière, ça je suis sûr que vous en souvenez. La Rouda aussi, Les Négresses Vertes, et le samedi c'est un petit peu plus rentre dedans avec Négative Approche, un petit peu d'humour et de puissance avec Poésie Zéro, et bien sûr pour le groupe que moi j'ai envie de voir avec plaisir et impatience, Black Bomb A. Et oui, j'aime bien ce groupe, et là pour l'occasion, c'est le lieu va être super, parce que si vous ne connaissez pas ce festival, c'est dommage, mais si vous avez l'occasion d'y aller, moi je vous dirais, foncez-y. Le lieu est vraiment terrible. C'est une ancienne abbaye, jolie pierre. Même le chanteur des Shérifs avait apprécié ce lieu quand je l'avais interviewé il y a quelques temps, où il trouvait que c'était super, et comme lui, il est tailleur de pierre. Ensuite, vous pouvez boire, manger et voir des super concerts. C'est vraiment sympathique, le lieu est vraiment de toute beauté, en espérant bien sûr que le soleil soit de la partie, mais sinon c'est vraiment un lieu pour pouvoir assister à un concert à taille humaine. Et donc j'apprécie énormément les organisateurs et le lieu, qui propose vraiment quelque chose de vraiment sympathique et dans la simplicité même des choses. Donc souvenez-vous de la date, le 31 mai et le 1er juin. J'oubliais, le samedi,
Et ben ça commence par le groupe Niortais The Toes, que j'apprécie énormément, qui nous fait aussi le générique de l'émission. Et puis écoutez The Toes en concert, c'est très sympathique. Et comme je sais que vous aimez Black Bombay, n'oubliez pas qu'ils ont sorti leur dernier album le 29 mars chez Vericore et il s'intitule And Build the World. Et si vous voulez voir ce que ça donne sur scène, ben c'est le bon moment. Vous les retrouvez samedi. Nous. Bah, je vais vous laisser sur du Black Bombay, quelque chose d'assez rythmé, punchy, ça envoie du steak, mais c'est vraiment sympa. Merci de nous avoir écoutés, j'espère bien vous voir à la Voix du Rock ce week-end. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. Ciao !